J'adore, mais je trouve ça un peu serré quand même. Hein, à voir euh, quand il y aura une deuxième pièce, donc le dos, et puis, euh, ou plutôt devant, parce que ça, c'est le dos. Euh, de toute façon, j'ai décidé de le faire, même s'il sera petit, ce ne sera pas pour moi, je le mettrai en honte. Mais euh, au moins, je saurai comment on fait ce joli motif. J'adore. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui, je voudrais vous présenter comment on tricote euh, ces trois petits motifs. Donc, je vous laisse prendre un imprimé-écran si vous souhaitez. Donc on va parler de celui-ci, celui-là et celui-ci. Donc ça c'est le schéma 1, schéma 2 et schéma 3. Pour le pull que je suis en train de faire, que je ne vais pas vous expliquer comment je le fais parce que j'ai rencontré pas mal de difficultés et j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait ma taille. Donc je suis en train de faire ce joli pull. Je vais vous montrer où j'en suis. Voilà. J'ai décidé d'utiliser ce fil de chez Jiffy, fil à nuance, qui est assez compliqué à, à associer avec d'autres fils, donc je fais avec... Euh, enfin, je, qui est difficile à associer avec d'autres motifs. Donc j'ai trouvé ce motif de feuilles qui allait très très bien ensemble, et je pense que euh, ça donne plutôt une jolie, euh, un joli rendu. Donc je vais vous présenter comment je fais, comment je fais toutes ces feuilles. Donc actuellement, je suis en train de faire aussi les manches. Les manches elles vont être bleu vert. Vous voyez, c'est pas du tout dans le même style, même si je tricote à partir du même, les mêmes pelotes. Enfin, ça me semblait d'être même, mais bon, c'est pas tout à fait ça. Vous voyez, il y en a une qui commence par bleu foncé, mais très peu et euh... Ça va vers le vert foncé, et là c'est euh, beaucoup de bleu, et après c'est un petit peu du vert. Bon, bref, c'est comme ça les fils à nuance Voilà, donc je vais vous montrer déjà le premier schéma qui se compose de deux quatre, qui se compose de 15 mailles, et je vais rajouter une maille de chaque côté pour faire euh, les euh, lisières Bon, pour ça, sachez que vous allez avoir besoin d'un. D'une épingle, euh, épingle à torsade, moi je prends une épingle qui met les, fils, euh, qui met les mailles en attente, parce que c'est la plus pratique pour moi d'utilisation. Et, et le pull était tricoté avec les aiguilles numéro 3, donc je vais utiliser pareil les aiguilles numéro 3 et un acrylique simple, euh, euh, tout fin comme ceci. Donc on va monter 17 mailles, dont euh, 15 mailles de motif. Donc c'est le schéma 1, 2, 3, mmh. 4. 17. Euh, voilà, il faut savoir que ce schéma est composé donc de 15 mailles et de 13 rangs. Tous les rangs paires, donc tous les rangs qui sont à l'envers, se tricotent selon le motif qui se présente, sachant que les euh, jetés on les tricote toujours. À l'envers, en faisant en respectant le, le trou pour, pour avoir cette ajouré Donc, j'enlève ma maille lisière. Deux premières mailles sont des mailles à l'endroit. Une, deux. Ensuite, j'ai un jeté. Puis quatre mailles à l'endroit. Un, deux, trois et quatre. Ensuite, j'ai trois mailles ensemble à l'endroit. Je pense que vous pouvez les prendre aussi par arrière mais je ne sais pas j'ai pris cette habitude de les prendre par devant et je les prends toujours par devant donc trois mailles ensemble à l'endroit ensuite on répète la même chose qu'on vient de faire sauf dans le sens inverse donc quatre mailles à l'endroit 1 2 3 4 un jeté 2 mailles à l'endroit et la maille lisière à l'envers donc armez vous aussi d'un contrant. Donc, deuxième rang, toutes les mailles euh, selon le motif qui se présente. Donc, ici, on a les mailles à l'envers, celles qui étaient à l'endroit. Le jeter, on va le tricoter à l'envers par le brin arrière afin de respecter les trous. Maintenant, on passe au rang numéro 3. Et donc, on va euh, décaler. Vous voyez, on a fait. Déjà, on enlève la maille lisière. On avait fait dans le rang précédent deux mailles à l'endroit. Maintenant, on va faire trois mailles à l'endroit. Et ça va s'avancer comme ça euh, à chaque fois euh, dans chaque rang. On fait un jeté et encore trois mailles à l'endroit. Puis trois mailles ensemble à l'endroit, trois mailles à l'endroit, un jeté, trois mailles à l'endroit et mailles lisière à l'envers. Donc notre Rang pair, on tricote selon le motif qui se présente. Je vais arrêter de le répéter, je vais vous montrer uniquement les rangs impairs. Maintenant, le rang 5, on enlève la maille lisière, on fait 4 mailles à l'endroit, ensuite un jeté, 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 1 jeté, 4 mailles à l'endroit. C'est facile à retenir puisque vous devez savoir qu'à chaque fois entre euh, cette euh, ligne-là où vous avez trois mailles ensemble à l'endroit, de chaque côté vous avez 6 mailles. Donc euh, voilà. Le rang numéro 7, on fait 5 mailles à l'endroit, donc une maille lisière, 5 mailles à l'endroit, une, 2, 3, 4 et 5. 1 jeté. Une maille à l'endroit, trois mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit, un jeté, cinq mailles à l'endroit, une maille lisière. Le rang 9, une maille lisière, 6 mailles à l'endroit, un jeté, trois mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 6 mailles à l'endroit, maille lisière. Le rang 11, on va commencer à faire nos torsades. Donc j'enlève la maille lisière. Ensuite, je vais positionner le fil devant moi. Je vais enlever les trois mailles sur une aiguille supplémentaire et je vais les mettre derrière mon travail. Puis je vais tricoter trois mailles suivantes à l'endroit. Je récupère mes trois mailles mises de côté et je les tricote à l'endroit également. Un jeté, trois mailles ensemble à l'endroit. Et on refait l'opération en jeté, et cette fois-ci, vous allez mettre trois mailles sur votre aiguille devant votre travail. Les trois suivantes, vous les tricotez à l'endroit. On récupère celle qui était mise de côté, on les tricote également à l'endroit. Voilà, maintenant vous aurez plus besoin de votre aiguille supplémentaire pour faire les torsades et ma lisière. Et enfin, le dernier rang pour ce motif, donc on enlève la maille lisière, on fait 6 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles ensemble à l'endroit, un jeté et 6 mailles à l'endroit, maille lisière. Voilà, on a fait notre premier schéma. C'est donc celui-ci, c'est ça. Donc c'est celui-ci qui est sur le côté. Donc euh, vous allez avoir euh, ce type de feuilles très jolies. Voilà dans la couleur différente. Maintenant, on va faire donc notre schéma 2 qui est celui-ci. Et pour ce schéma 2, on va monter seulement 8 mailles. Mais le schéma est fait 8 mailles et 2 rangs. On va monter 10 mailles pour avoir des euh, mailles lisières. Et en fait, ça c'est répétitif, vous allez répéter tout le temps vos deux rangs seulement. Et pareil, les rangs pairs, euh, c'est-à-dire euh, les rangs qui sont à l'envers, vous les tricotez selon le motif qui se présente. Donc, donc le premier rang, on enlève la maille lisière. Les trois premières mailles sont à l'envers. Donc une, deux... Et 3, puis deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté, trois mailles à l'envers et une maille lisière. On fait donc le rang 2, toutes les mailles telles qu'elles se présentent, le, ma euh, le rang 3, donc euh, dernier rang de ce motif, on enlève la maille lésière, trois mailles à l'envers et ensuite on fait l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure, donc on va prendre un jeté, puis on va enlever une maille, la suivante on va la tricoter et la maille enlevée on va la positionner sur celle tricotée et trois mailles à l'envers. On répète ainsi du premier au troisième tout le temps pour avoir cette jolie petite torsade. Enfin, comme vous avez vu, un petit serpent, on va dire. Voilà, ça donne rien au niveau de deux rangs, mais je vais vous montrer. Ce que ça donne, c'est quand il y en a plus. Par exemple, ici, voilà, on va très bien voir cette petite chaînette en fait, style de chaîne. Et maintenant, on va faire celui-ci, celui du milieu, le plus gros, qui est composé de 23 mailles et 15 rangs. On va faire au fil rose. Et donc le euh, schéma 3 est composé de 26 mailles, de 26 mailles et donc 2 mailles, de, euh, 2 mailles lisières en plus. Donc j'ai monté 28 mailles et euh, 15 rangs. Donc on va commencer par enlever la maille lisière. Ensuite on va tricoter 8 mailles à l'endroit. Puis on va faire donc, 3 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit un jeté, deux mailles à l'envers et on refait mais dans l'autre sens donc un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille enlevée, deuxième maille enlevée, troisième maille tricotée et on, en, on met sur la maille tricotée une à une les mailles enlevées donc une première et une deuxième. Ensuite on fait huit mailles à l'endroit et la maille lisière. On passe au rang 3. On enlève la maille lisière, on fait 6 mailles à l'endroit, ensuite 3 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit et puis là vous avez toujours votre repère de maille à l'envers. Ensuite, on fait une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit et on enlève une maille, deuxième maille, troisième on la tricote. Et les deux mailles enlevées, on les positionne une à une sur la maille tricotée. On termine par six mailles à l'endroit et une maille lisière à l'envers. On passe au rang 5. On enlève la maille lisière, on tricote quatre mailles à l'endroit, trois mailles ensemble à l'endroit, deux mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Un jeté deux mailles à l'endroit et puis deux mailles à l'envers. Ensuite deux mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, deux mailles à l'endroit. Puis on enlève une maille, deuxième maille, la troisième on la tricote et les deux mailles enlevées on la positionne une à une sur la maille tricotée. On termine par quatre mailles l'endroit et la maille lisière on passe au rang 7 et là on va faire 2 mailles à l'endroit 3 mailles ensemble à l'endroit 3 mailles à l'endroit un jeté 1 maille à l'endroit un jeté 3 mailles à l'endroit 2 mailles à l'envers 3 mailles à l'endroit un jeté une maille à l'endroit, un jeté, trois mailles à l'endroit. Puis on fait on enlève une maille, on enlève la deuxième, on tricote une maille, et les deux mailles précédentes qu'on a enlevées, on les positionne sur la maille tricotée, une à une. On termine par deux mailles à l'endroit et une maille lisière. On passe au rang neuf, et voyez c'est le même principe qu'avec le schéma. Un. Sauf que ici on avait 6 mailles de chaque côté, ici nous avons 8 mailles de chaque côté. 8 mailles, je parle que des mailles à l'endroit, puisque après il y a des jetés et d'autres mailles à l'endroit. Et donc à chaque fois on va diminuer ces côtés. Donc par exemple il y avait 8, après il y a 6, après il y a 4, après il y a 2, et après il y a rien. Vous voyez donc c'est facile à retenir, enfin au en moins de côtés. Donc maintenant le rang 9, on va Enlever la maille lisière. On va tricoter trois mailles à l'endroit ensemble. Ensuite, on a quatre mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, quatre mailles à l'endroit. Et toujours, nous avons notre petit repère de euh, cette petite colonne au milieu de mailles à l'envers. Donc deux mailles à l'envers, euh, 4 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. 4 mailles à l'endroit et on refait ces trois mailles donc avec le penchant vers la gauche on va enlever une maille, deuxième maille, troisième on va la tricoter et les mailles enlevées on va les positionner sur la maille tricotée une à une on termine par la maille lisière voilà on passe au rang 11 et il faut savoir que les rangs 11, 13 et 15 sont identiques c'est-à-dire qu'on enlève la maille lisière, ensuite on tricote 12 mailles à l'endroit, mais c'est facile, vous n'êtes même pas obligé de les compter, vous les tricotez jusqu'à votre petit milieu qui est en maille à l'envers. Donc vous voyez, je, je compte même pas en fait, ça sert à rien parce que je sais que je vais tomber sur mes deux mailles à l'envers et c'est là que je m'arrête avec les mailles à l'endroit. Vous voyez, j'y suis. Là je vais faire mes deux mailles à l'envers, et je continue avec les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang où je vais faire. À la fin ma maille lisière, voilà le rang 13. quand je vous ai dit, vous faites exactement pareil donc maille lisière, 12 mailles à l'endroit, puis deux mailles à l'envers, de nouveau 12 mailles à l'endroit, maille lisière, et donc on fait le rang 15 exactement pareil comme le 11 et le 13. Donc on enlève la maille lisière, on tricote les 12 mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers. 12 mailles à l'endroit. Et on termine par la main lisière. Voilà, nous avons fait notre troisième schéma qui est très joli aussi dans cette couleur-là. Vraiment, on voit bien les petites feuilles qui sont ici. Voilà, vous les voyez en rouge, en rose et je vais vous les montrer même en vert. Voilà. Eh bien, c'est joli dans toutes les couleurs. Hein. Voilà, écoutez, euh, je vous tiens au courant pour la suite concernant le pull. Bien évidemment, je vous mettrai à la fin de cette vidéo donc euh, le pull porté si j'y rentre. Hein. Euh, c'est vrai que je suis vraiment désolée, je ne peux pas vous donner les explications concernant le pull, ça va être trop fouillis et je n'aime pas ça. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que ces motifs vous ont été utiles ou, ou et vous serez les employés. Euh, dans quel que soit euh, le vêtement ou l'accessoire que vous allez tricoter. Et je vous invite à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos qui ne vont pas tarder puisque j'ai pas mal de projets en tête, surtout avec du fil nuancé comme ceci. Et apparemment c'est tendance aujourd'hui et j'en ai beaucoup de ce fil donc on va euh, on va en abuser <laughs> voilà sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt ciao les filles la bête j'adore ce pull il est peut-être pas très grand certes il est peut-être un peu trop près du corps peut-être légèrement court mais côté, je l'adore alors que je le détestais il y a deux jours je l'adore et je suis très contente d'avoir peaufiné les détails comme je vous ai montré euh, tout à l'heure dans la vidéo euh, que euh, j'ai euh, fait, j'ai refait les, les coutures en fait, c'est beaucoup plus joli comme ça quand on les voit pas, même s'il y a une épaisseur à l'intérieur. Euh, après, ça reste du tricot, c'est pas très gênant cette épaisseur, hein, franchement, hein. mais néanmoins, euh, c'est beaucoup plus propre comme ça et c'est vraiment très joli. Franchement, ce fil, il est magnifique, hein. alors que je l'aime pas du tout, mais là, dans ce pull, il est juste magnifique. J'aime beaucoup ces. Euh, ces feuilles ajourées comme ça, c'est... Ah, oh, je suis emballée. J'adore. Voilà. Donc non, pas de tuto pour le pull, mais vous avez bien les motifs, comme je vous ai présenté. Donc un, deux et trois. Voilà. Ben, sur ce, je vais vous laisser ici. Je vous remercie beaucoup de votre attention et à très très bientôt. Ciao